Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce point 13 virtuel. On a un peu de ça. C'est un honneur pour moi de vous présenter officiellement le 31e entraîneur-chef de l'histoire de la Canadienne de Montréal, M. Dominique Ducharme. Félicitations, coach. Merci. Good afternoon, everyone. My name is Paul Wilson, and it's an honor for me to officially introduce the 31st head coach of the Montreal Canadiens, Mr. Dominique Ducharme. Congrats, coach. Thank you. We'll start with Eric Ingles. Hey, Dom, congratulations, and thanks for doing this so fast. I know it's because you wanted to talk to us again soon. I was missing you guys. Dom, I have two questions for you. The first one is, how would you describe the relationship you've built with your players over the last year? Respectful. It's a partnership. Having success as a team is a partnership. We're not there against the players. We're not there. You know, we're all here for the same reason. You know, I want every one of them individually to have success, but mostly, and that's our job, collectively having success. At the same time, you know, we all have our job to do. And we talked about that with the players. I mean, we're putting in the plan. We're adjusting the plan. We show the direction, what we want to do. Their job is to get into that and bring their own individual skills or personality as a player within our team structure. And, you know, working daily with them, I said it was all along that it was a great group. And, you know, I like things to be really clear and to communicate with them and making sure that we're all on the same page. And so I think the relation with the group, it was really good. Dom, my second question for you is, with the vacancies in Laval, will there be changes to your bench? Does Alex Burrows and Luke Richardson, are they going to remain with you next season, or are you bringing in anyone to your bench? I mean, that's something that Burge needs to finalize with them, but I don't see any changes with Luke and Alex. I want them to be back with us. We all, as a organization, we, you know, they did a really good job, and so they should be back. That's just a matter of time for me. We like I said before, and we want to add one guy to our staff. When you look at when Claude and Kirk left, Alex came up, so we kind of work differently, being three guys instead of four, and we want to go back going four guys with you know, a 82 game schedule and what we want to do and the way we want to work. And the other situation is Sean Burke, depending on, you know, Sean's going to be with us, but is he going to be daily, every day with us, or, you know, moving his family here, or he's going to keep working with the team, the organization from Arizona? Then from there, you know, we might have to look at the goalie, a goalie coach in that situation. Salut Dominique, félicitations pour le nouveau poste. Ben, le nouveau poste, la confirmation du poste. Dominique, ça fait combien de temps environ que tu sais que c'est une question de temps, que le fameux titre intérim était pour sauter? Est-ce qu'il y a un moment précis dans la saison où tu t'es dit, OK, je sais que ce poste-là m'appartient, puis je vais pouvoir continuer la tête en paix? Un moment précis, c'est dur à dire, mais c'est pour moi, quand Marc m'a donné cette opportunité-là, j'avais pas l'intention d'être là juste pour quelques mois. Donc, c'est certain que
au fur et à mesure que les séries avançaient, je crois que ça l'a enlevé ce questionnement qui pouvait être plus peut-être à l'extérieur. Mais de mon côté, j'avais pas l'intention d'être juste de passage. Si je peux me permettre un petit suivi, tu en as parlé en anglais avec Eric. Il pourrait y avoir du changement derrière avec tes adjoints. Mais à quel point, comment tu créais la valeur d'Alex Burrows et la valeur de Luke Richardson à tes yeux? On a vu Luke, qu'est-ce qu'il a fait aussi pendant ton absence. Puis crois-tu que pour l'équipe, c'est plus profitable d'avoir Alex Burrows à tes côtés à Montréal ou si dans un rôle d'entraîneur en chef à Laval, ça pourrait être plus profitable? Non, mais je ne pense pas qu'il va y avoir de changement. Ce qu'on risque de faire, c'est d'ajouter une personne. Ce que Luke amène, un excellent coach, puis aussi... un gars qui c'est le genre de coéquipier que tu veux avoir pour faire face à n'importe quelle situation quand tu es entraîneur comme ça. Je pense qu'il y avait cette réputation là aussi comme joueur. Et puis, j'ai appris à le connaître à travers les années. Puis c'est exactement ça. C'est le genre de gars que tu veux avoir à tes côtés à travers le beau temps, mais aussi à travers les tempêtes. Donc, la même chose pour Alex. C'est un gars qui, évidemment, est plus jeune et moins d'expérience de vécu comme entraîneur, ce qui est normal, mais amène beaucoup, amène des choses qui sont différentes, une vision, il fait l'excellent travail avec l'avantage numérique. Il y a une bonne vision d'une équipe, du jeu, et puis il amène une énergie aussi à notre groupe qui fait qu'on a un bon mélange. Raphaël, salut Dominique, merci pour ton temps. Quand tu as signé ton contrat, à quel point c'était émotif, puis à qui tu as pensé, puis à quel point tu as été capable un peu de replonger dans tes souvenirs, puis de revoir un petit peu le fil de ta carrière? C'est certain que tu retournes toujours à la base, hein, en partant par la famille. Puis, un fait quand même inusité aujourd'hui, c'est le 13 juillet, c'est une date quand même importante pour notre famille. C'est la date que nos parents se sont mariés. C'est aussi la date qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans, jour pour jour, le 13 juillet, que mon père est enterré. Puis d'aujourd'hui, c'est continuer la tradition du 13 juillet de signer ce contrat-là. On dirait que c'était comme... j'ai parlé comme destiné un petit peu. On dirait que ça aurait pu arriver le 12, ça aurait pu arriver le 14, mais ça se fait le 13. Et puis, donc, c'est certain que c'est des gens importants pour moi, que ce soit ma famille comme ça, mes enfants, conjointes, amis, mais tous les gens aussi avec qui j'ai... Que les gens que j'ai côtoyés à travers mon parcours, que ce soit à l'Université de Trois-Rivières avec Jacques Laporte, que ce soit à Joliette avec Stéphane Desroches, Sylvain Saint-Marie, Sylvain Fréchette, avec le Junior de Montréal, avec Halifax, à Drummondville, Hockey Canada. C'est tous des gens que tu rencontres à travers le temps qui ont un impact dans ce que tu fais. Merci. La prochaine question, Arpen. Hey, Dom. Congratulations. Thank you. When you look at your team, it was a veteran team, you know, that went into the playoffs, but you had, you know, four young pieces that played at various times during the playoffs. Where do you see a path to improvement for this club over the offseason if it comes back more or less intact, let's say? Well, playing together. I mean, yes, you look at it and you can say older and younger guys and things like that, but also you look at it, we were a fairly new group with the new guys coming in, the number of new guys coming in. And, you know, those guys that went through different things and winning, a lot of them winning, but learning to win together and playing together, and the way we want to be
you know, playing and so on. So it takes time. So I think, like I said before, I said, you know, if we take that experience, that run in the playoff, and we use it the right way, I think it's going to make us better. So it's going to make us better if we use it the right way and we, like, don't take anything for granted. If we keep working and start back where we finish and keep building on that, then we're going to be a better team. And obviously Mark is like every year, like every day, he's looking at making the team better. And you know, we're confident that, you know, we're going to be ready when the season starts and we have a good year. If I could, Are you good? No, if I could get just one more. Sorry, Dom. Obviously, you came in a situation where you were jumping on a moving train. You know, you didn't have all the normal preparation. I don't know if people understand to what extent training camp is important to a coach. How important is training camp to a coach, and how much further ahead will you be having the benefit of a training camp going into next season? Well, I think it's especially here in that league, it's huge because, you know, on a normal year, you practice more than we did this year. This year we didn't practice, so, but still, it's not a league where, you know, you practice three, four times before you play a game. It's, you know, so you need to start and put in those bases and work on those things and establish those things in training camp. And what I like about our situation is, like I said, we grew a lot as a group, but also in the way we played throughout, you know, the end of the season and the playoff and so on. So I think we can use that and use the training camp to be building on that. And yeah, it is important. And if you look at it, you know, by the time we clinched the playoff and, you know, we knew we would have that time a little bit to rest first, but also to practice. And we probably had more practice in that time before the trial series than almost we had all year, excluding the morning skates. So it was, and I think it paid off. It paid off at one point. You know, there are many things that play into having success. But you could see that, you know, what we've done helped a lot preparing the playoffs. Stéphane Leroux. Merci, Paul. Félicitations, Dominique. Vraiment content pour toi. As-tu l'impression que tu as réussi à, dans la saison qu'on vient de vivre, qui était une saison où 25 matchs en 43 jours à la fin, plus les séries, d'implanter ce que va être le Canadien sous Dominique Ducharme? Ou si ça va être pas mal à recommencer quand on va revenir dans une situation plus normale au camp d'entraînement? Pas tout recommencer, c'est certain. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme j'ai dit, qu'on va pouvoir bâtir sur les choses qu'on a fait, mais ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est ajouter, peaufiner beaucoup de choses. Une fois que la base est mise, ce que j'ai aimé le plus à travers ces séries-là, puis ce que j'ai aimé le plus, le temps que j'ai été moi-même à l'écart à cause du COVID, c'est de regarder l'équipe, même si je restais en contact, c'était de regarder l'équipe un peu de l'extérieur et de voir ces choses-là qu'on avait mis en place, comment que ça démontrait qu'on s'en est salé là-dedans parce qu'on était capable, de, peu importe la situation, de garder cette façon de jouer-là. Donc, ce que ça va nous aider, c'est ajouter des choses, peaufiner des choses, et surtout, peut-être du côté offensif, où des fois, c'est plus de répétitions, c'est plus de... mais une fois que tu ne peux pas le faire avant que la balle soit en place.
Puis Dom, j'aimerais ça savoir, tu as parlé rapidement tantôt d'ajouter un autre entraîneur. Est-ce que tu as le profil de ce gars-là que tu aimerais avoir avec toi? Est-ce qu'il faut que ce soit un ancien joueur? Est-ce qu'il faut que ce soit peut-être un gars que tu as connu, que tu as côtoyé déjà dans tes années précédentes? Ça peut, mais tu sais, autant comme qu'avec nos joueurs que, qu'avec notre staff, tu sais, j'ai essayé d'avoir évidemment la meilleure personne possible, mais tout dépendamment de, du profil de chacun, des fois, tu sais, c'est important de, d'utiliser les forces de tout le monde puis les mettre ensemble. Des fois, tu sais, il peut y avoir des petites différences. Tu dis, OK, on va prendre ce gars-là, on va travailler de cette façon-là, mais si, mettons, ça ne fonctionnait pas, on peut aller de ce côté-là, puis comme groupe, on va travailler un petit peu différemment. Donc, de vouloir se limiter juste à une chose en particulier ou un profil en particulier, c'est peut-être écarter des candidats qui pourraient être intéressants puis qui pourraient quand même aider notre staff, mais que nous autres, on travaillait de différentes façons, tout dépendamment c'est qui. Stu Cowan? Hey, Dom. One of the things that's really impressed me about you through this whole journey this season, just how calm and cool you've remained. Has that always been your personality, or is that something you've learned during your coaching career to be that way? And how much do you think that helps you when it comes to dealing with the players? I think it's a little bit part of me, for sure. And I think growing as a coach, I'm pretty confident with what we do, that if we stick with that, at one point we'll, be rewarded. And so I think that's something that going through experiences, you can feel. So even though we had some hard time, and obviously time that, it was not easy, I still remain confident in the group and in the way that we were doing things and what we want to achieve. And I think even on the personal side, when you look at I've been to every level. And I always believe that when you do good things, good things happen to you. And I think at one point the game is fair, and that's why you see me calm like this. Maybe is that I have that belief that if we do things right, if we work the right way, if we commit like we should commit, at one point you'll get rewarded. If I can ask just one more quick one, you mentioned before about how this is a special date to you for your family and whatnot. What would your dad think right now to think of his son being head coach of the Montreal Canadiens? Really proud, for sure. I mean, he was a great sport guy, great competitor, and I'm sure right now it's a there's a party up there somewhere. Marc-Antoine Godin. Bonjour Dominique, félicitations. Moi aussi j'ai deux questions. D'abord, si je ne m'abuse, tu es resté un petit peu en contact avec avec Jonathan Drouin. Je suis curieux de savoir de quelle façon vois-tu cette situation-là se régler ou évoluer d'ici le début de la prochaine saison? Ouais, c'est une bonne question. Il est encore tôt. On vient de terminer de jouer. Ce que je suis content de savoir, c'est que ça va bien pour Joe. Et puis, à partir de là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Puis on connaît la situation là, dans la Ligue présentement aussi. Je crois que c'est quelque chose que Marc aussi doit évaluer, doit voir c'est quoi les possibilités, comment tout le monde se sent là-dedans. Puis on va voir. Puis en même temps, tout ce que je souhaite là-dedans, c'est le mieux pour Joe. Le plus important, c'est qu'il a passé ou il est en train de finir de passer
peu importe comment on peut dire ça, mais à travers quelque chose de difficile. Puis, tout ce que je souhaite, c'est que la personne puisse regarder en avant puis être heureux là-dedans. Là. Oui. Par ailleurs, écoute, tu as eu quelques questions à propos d'un troisième adjoint. Stéphane Lehaut te parlait de profil. Moi, si je te parle de plutôt de responsabilité, je présume qu'Alex et Luke resteraient dans les mêmes responsabilités, mais quand tu étais un adjoint à Claude, Claude te désignait souvent comme un sounding board. Toi, qu'est-ce que tu chercherais pour compléter cette équipe-là, la dynamique de ton équipe avec tes adjoints? Là, qu'est-ce que ça te prendrait? Ben, tu sais, comme un peu, tu sais, j'ai pensé à Stéphane tantôt, puis c'est certain qu'il y a un gars comme Luke, sa spécialité, c'est les défenseurs, puis il a fait de l'excellent travail avec notre désavantage numérique, puis tu sais, on l'a vu à travers les séries éliminatoires, mais tu sais, un gars comme Alex est assez quand même polyvalent, donc je peux pas juste me limiter à un profil ou à un genre de coach ou un, tu sais, juste ciblé comme ça. Je veux plus y aller. Comment on va travailler ensemble selon cette personne-là ou cette autre personne-là. Je crois qu'on est assez adaptable là-dedans aussi. Puis c'est important, je crois que comme staff, on regardait notre équipe et on disait c'est une équipe qui est soudée, une équipe qui a une bonne chimie. Ben, les joueurs avaient le même feeling par rapport à notre façon de travailler ensemble. Donc aussi, il y a cette question-là de personnalité ou de la façon qu'on peut travailler ensemble. Puis pour moi, ça, c'est très important aussi parce que si on veut avoir une équipe comme ça, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est nous, comme équipe de staff, de se comporter comme ça. On va maintenant y aller avec Renaud Lavoie. Merci, Paul. À mon tour de te dire, Dominique, félicitations. Question très simple. Le monde du hockey, on dit que c'est une petite famille, celui des entraîneurs aussi. Est-ce que tu t'impliques un peu sur ce qui se passe à Laval, puis voir que quel est le meilleur candidat ou est-ce que tu travailles avec Marc pour trouver justement le meilleur candidat pour le Rocket de Laval? Moi, on a terminé de régler mes affaires. Ça fait quelques heures, donc autant moi, Marc, de son côté, on était concentrés là-dessus, mais éventuellement, si les gars ont des questions sur des personnes que je connais, s'ils veulent avoir plus de renseignements, mon opinion, je peux la donner, mais ça fait pas partie de ma description de tâche non plus d'être impliqué là-dedans. D'être, je les laisse aller là-dedans, je leur fais confiance. Eux aussi, de leur côté, probablement, cherchent un genre de profil qu'ils aimeraient avoir à Laval. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir de ce côté-là. Puis, honnêtement, je ne sais pas si je vais être impliqué du tout. Là. Oui, salut Dominique. Félicitations pour la bonne nouvelle. Je voulais savoir, avec le calendrier pour la saison prochaine n'est pas encore sorti, mais ça se pourrait que ce soit une des entre-saisons les plus courtes de l'histoire là, de la Ligue nationale de hockey. On dit tout le temps qu'une équipe qui va en finale, elle a moins de temps pour récupérer et tout ça. Est-ce qu'il y a un plan qui a déjà été mis en place pour permettre aux joueurs de récupérer, mais quand même d'arriver prêt pour le camp d'entraînement? Assurément, avec nos préparateurs physiques, c'est des choses qui regardent individuellement avec chaque joueur. Puis chaque joueur est dans une situation différente aussi par rapport à leur utilisation, par rapport à les blessures qu'ils ont pu avoir, etc. Donc, c'est quelque chose qui est fait à chaque année aussi. Et c'est pas, surtout cette année. Surtout cette année avec, comme tu me dis, un temps de préparation qui va être un peu moindre. Nicolas, merci. Écoute, pour l'instant, j'ai pas.
Eric, did you have another sub-question because you're... Ta main était levée. Yeah, I just wanted to know, Dom, is there an update on Shea Weber? Does he need surgery? Is that scheduled? I think, from what I know right now, is the doctors are looking at everything and to see. He's got more tests. He's got a more appointment to have to really take a decision on that and what would be best for him for the future. So. Salut Dominique. Oui, juste un petit suivi. Au cours des derniers jours, dernières heures, on peut imaginer que tu as passé beaucoup de temps avec Marc Bergevin, avec ton DG, justement, pour négocier le contrat. Sens-tu que les trois prochaines années, tu risques de les faire avec Marc? Le sentais-tu un petit peu plus reposé, contrairement à la dernière conférence qui laissait planer le doute à savoir si c'était peut-être sa dernière saison l'an prochain? Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Tu sais, des fois... On s'assoit ici, puis en plus, moi, je suis assis devant une salle vide, là, avec une caméra devant moi. T'sais, c'est pas la... Il y a Paul qui est là. Heureusement, il y a Paul. Mais, tu sais, des fois, ça peut donner une impression qui est quand même différente aussi. Tu sais, moi, la personne que je vois tous les jours est énergétique, cherche toujours une façon d'améliorer le Canadien. Ce que Marc va faire dans le futur, c'est vraiment ses affaires à lui. Mais moi, je remarque aucun changement en trois ans par rapport à sa passion pour notre équipe et par rapport à sa passion de vouloir gagner. Et puis, il se présente tous les jours comme ça à l'aréna, puis donc moi c'est comme ça que je le vois. Ce qui va arriver plus tard, t'sais, je sais pas. Puis c'est vraiment plus dans les mains de Marc ou avec la haute direction, je sais pas, mais on se concentre à vraiment travailler au jour le jour. On va prendre deux dernières sous-questions, le Marc-Antoine Godin et Arpen. Marc-Antoine. Oui, alors bonjour Dominique. Cette année, vous avez, j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous êtes allé au maximum de ce que vous pouviez aller chercher en termes d'intangibles, ce qui est équipe soudée, c'est ça, esprit d'équipe, expérience, etc. Est-ce que plus à ce niveau-là, aller chercher l'année prochaine ou la possibilité de vous améliorer en tant qu'équipe, c'est dans d'autres facettes que ces intangibles-là? C'est certain qu'il faut garder ce sentiment-là, cet esprit-là à travers le groupe. C'est quelque chose qui est important. Donc, à partir de là, tantôt, j'ai parlé des bases qu'on a mis en place, on va dire, qui a fait qu'on s'est donné une chance d'avoir du succès, puis ça allait meilleur on était là-dedans. À partir de là, oui. Il y a des façades, il y a des situations qu'on peut peaufiner, d'autres qu'on peut pousser plus loin. Mais dans tout ce qu'on fait, donc si comme entraîneur, on se satisfait de ça, moi, c'est pas mon style, mais généralement, c'est ce que les entraîneurs font. On cherche toujours un moyen d'améliorer tout ce qu'on fait. Donc, on va regarder à tout ça, puis c'est ce qu'on veut faire. Thanks, Paul. Dom, we didn't want to let you go. We're refusing to let you leave. Sorry. I just wanted to pick up on something you mentioned on Friday regarding Kotkaniemi and how he's reached a point in his career where he needs to take a step. And I think everyone would agree with that. And I think he would probably agree with that. Where do you see that step happening? Like, what aspect of his game needs to elevate in order for him to reach a level where I think you all see his potential starting to be realized? Well, he's no different than any guys that at one point –
in their career, you know, are figuring out things. And to understand what you need to do as a player to have success in that league, because, you know, this is the best league in the world. So what kind of tools you have and how are you going to use it to have success? How are you going to prepare, you know, during summertime to take another step? How, you know, you pile up all those things. And I think with the experience with, you know, going through three seasons and KK progressed, right? And he learned a lot and he went through a lot. So he went through some ups and downs. And it's okay to have some downs. It's okay to face adversity. If you use it the right way, it's going to make you a better player and you figure out things. A little bit like a team. And so I think that's where he can be taking a big step, is when you know yourself better, when you know what type of player you are, when you know what can bring you success, then you become more consistent, then you become, you know, a lot of things fall into place. And that's why I think for him, I think that's a big part. And we had some really good discussions. And he's been through, like I said, many things. And, you know, he's growing, he's gaining maturity. And now I think he's at that point where he needs to take that chair that is his and really, you know, sit into that and really own that. That's it? Yeah. Nobody else? Merci beaucoup. Thank you. Bonne journée.